Vas-y, viens encore. Bah, j'allais faire une introduction chantée, comme on va présenter une publicité chantée. T'es sûr que c'est une bonne idée? Bon bah, générique. Pour commencer, je tiens à m'excuser sincèrement pour la publicité que je vais vous passer. Parce qu'un petit peu comme dans la dernière saison de Games of Thrones... Ok, ok, pas de référence Games of Thrones, ok. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression de vous trahir. Un peu comme la... Bon, Kelly, ça fait 5 mois que la saison est sortie. Il serait peut-être temps de la regarder, non? Enfin bref, je tenais à m'excuser, parce que vous allez avoir la chanson dans la tête toute la journée. Au point de vouloir vous faire un peu comme... J'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc aujourd'hui... On va plonger. Oh putain, je sens que ça va me saouler. Bon, de toute façon, on parlera pas de celle-là. Elle date des années 2000. Ce serait pas con de se faire un épisode sur une pub rétro. Même si ça aurait été intéressant de parler de la reprise que Flunch a fait de On va s'aimer. Sans demander le consentement des auteurs. Pas vrai, Gilbert? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la dernière en date qui cherche à renouveler l'image de l'enseigne. Il faut savoir que chez Flunch, ils aiment bien plager. Chanter. Chanter. Mais ils apprécient aussi les pubs un peu barrées. Et pour la dernière, ils ont carrément mélangé les deux. Ce qui nous donne une publicité chantée et surréaliste. Un peu comme une vidéo de Martin Solveig, en fait. Et justement, on va analyser le lien entre image et parole comme s'il s'agissait d'un clip. Et pour en parler, on va passer au bureau. Mais roule, putain, roule! Ok, ok! Donc nous voici arrivés au bureau, nous allons pouvoir commencer l'analyse. C'est sérieux ? De quoi ? Non mais c'est une blague ! De quoi tu parles ? Non mais c'est... Non, Kelly, fais pas... Peut-être. Peut-être un fond vert. Bon bah allez, envoyez la musique. C'est pas ce que vous croyez. Première image, le tourne-disque. Sûrement pour le côté traditionnel des restaurants. Flunch est de fin infiniment. Notons qu'on a un raccord dans le mouvement. Quand deux plans successifs ont un mouvement de caméra similaire. Ici, la rotation. Entre le plan du tourne-disque et celui des plats. Flunch et de fin, on sous-entend qu'il y a un besoin. Et infiniment, souligné par la multitude des plats que l'on découvre au fur et à mesure que la caméra recule en tournant. Le mouvement en spirale évoquant l'infini. Ah bah les mecs ont bien cogité leur truc, hein. Il s'agit quand même de Greg et Leo. Les mecs qui ont fait ça. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Fluncher des fraises, des frites et du flan. Il pouvait difficilement être plus explicite. Fluncher franchement sans fioriture. Non mais les gars, je veux bien manger franchement sans fioriture. Mais ce steak est carrément plus gros que mon chien. Fluncher avec ou sans ceinture. Attendez, c'était... What the fuck ? Parfois, mes yeux voient des choses que mon cerveau comprend pas. Une grenouille, un hippopotame et un perroquet avec des instruments de musique. Logique. Avec ou sans ceinture, ok. Mais là, les gars, ils sont en caleçon. Un groupe de rock en caleçon. Je suppose qu'ils veulent dire que c'est à la cool... Parce que le rock, c'est cool, et sans retenue, et sans ceinture. Bon, là, on est carrément dans le symbolisme. Flunchy en forme. En forme. C'est pas comme si le mec allait s'enfiler une table entière de soda. À mon avis, c'est une tentative de suicide. Flunchy famille. Vu la ressemblance entre les membres de la famille, je serais pas étonné qu'il y ait un tout petit peu de consanguinité. Ah mais attendez, c'est une famille de trolls. Et le père a toujours son verre de soda à la main. Faut te faire soigner, mec. Je vais lui envoyer le numéro du psy de Patrick. Fluncher foufou, fluncher les filles. Cette séquence vise deux types de cibles. Le cadre supérieur en costard qui a gardé son âme d'enfant, symbolisé par le toboggan. Et les filles qui sont ici des putains de pom-pom girls. La représentation américaine de l'adolescente populaire, mais pas franchement intelligente. Pour un restaurant français, bravo les gars. Flunch pour ta fête, flunch farfadet. Bon, pour ta fête, tous tes copains sont déguisés, c'est sympa. Mais ils étaient obligés de tous les mettre en fruits et légumes? On a compris que c'était un restaurant. Non mais regardez ça, on a une carotte, une fraise et... C'est quoi ça? Un poussin ou une pomme de terre? Bon, en revanche, le délire du robot, c'est trop cool, hein. Bah quoi? Mais dans la vraie vie,
la fête chez Flunch, c'est un peu moins funky. Ouais, on s'en fout qu'il revient pas, maintenant ici, il souffle. Mais on va le bouffer, le gâteau, putain. Oui, il y a des gens qui ont faim. Flunch farfadet, on est d'accord que ça veut rien dire. Mais c'est pour caler la rime qui va arriver. Donc on a le gamin costumé qui s'envole. Mais c'est quoi ça? Il va exploser, tous aux abris. Tu l'as déjà fait. 50-50 ou affamé. Et pour ceux qui parlent pas anglais, il y a une traduction. C'est la traduction pour 50-50, pas pour affamé. Et l'image illustre les paroles 50-50, on coupe l'assiette en deux. Mais c'est pas dangereux? Rapport au morceau de porcelaine et tout ça? Et la fameuse rime dont on parlait avant, farfadet, affamé. Ah, et au passage... T'as le droit de faire ça? On dirait que c'est un hommage. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher, fluncher à fond, fluncher fièrement. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher, fluncher à fond, fluncher fièrement. Bon là, c'est sûr qu'il pouvait pas se planter dans les rimes. Et pendant ce temps, on nous enchaîne avec des plats de bouffe. Si t'as faim, normalement, là, tu commences à saliver. Y'en a pour tous les goûts. Fruits de mer, poulet à la crème, saumon, couscous merguez, crêpes et glace à la fraise. Et on te tabasse gentiment le message publicitaire. Ils ont vraiment cru que ça marcherait. Et le panneau final... Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher. Au cas où on n'aurait pas entendu le slogan de la pub. Ils pensent même aux sourds chez Flunch. Et pour le coup, j'envie les sourds. Parce qu'ils auront jamais cette foutue chanson dans la tête. Et je comprends pas pourquoi est-ce que Benabar a fait ça. Le mec gagnait pas suffisamment d'argent avec ses albums à propos de Chipolata. Non, fallait que monsieur fasse des musiques de pub. Mais ça, c'est comme Gad Elmaleh. De toute façon, c'est tous des pourris qui veulent gagner de l'argent. C'est pas Benabar. Comment ça, c'est pas Benabar? Ah merde. Il l'a même dit sur Twitter. Oh, bah y'a une réponse de Flunch. Mais on est d'accord que la musique s'est pompée sur Soviet Suprême. Soviet Suprême est un groupe de chansons françaises faisant référence à l'imagerie soviétique avec une musique mêlant influence balkanique et électro. Il est formé de Sylvester Stallone, alias Erwan, John Lennon, alias Tom Fetterman, chanteur de la Caravane Pass, rejoint par DJ Khrouchtchev. Merci Internet. Parce que quand même, Flunch... Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher, fluncher à fond, fluncher fièrement. Y'a que chez Flunch qu'on peut fluncher, fluncher à fond, fluncher fièrement. Soviet Suprême. What you need is what I said. So typique et so français. So Paris et so cliché. Flunch adore plagier. Ils ont pris un morceau entraînant et joyeux pour donner un côté cool et jeune à l'enseigne. Mais virez-moi les instruments manouches, on n'est pas des roumains, bordel. Et hop, c'est prêt. La musique évoque chez nous des émotions. Si elle est jouée en mineur... Elle évoque la tristesse si elle est jouée en majeur. Elle évoque la joie. Ouais, même si c'est pas aussi simple que ça. Hein. La musique est toujours attachée à un ressenti. Par exemple, si je lance ça... Enfin, vous avez compris, quoi. Donc Flunch voulait que leur pub évoque chez nous un sentiment de gaieté, insupportable. Et c'est sur ce côté sympa qu'ils ont tout misé. Enfin sur ça, et le bourrage de crâne. Pour nous faire mémoriser rapidement que Flunch c'est cool, restait plus qu'à écrire les paroles. Et là je tiens à féliciter sincèrement celui qui s'en est occupé. Parce qu'il a réussi à caser 20 fois Flunch, Fluncher ou Fluncher en moins de 30 secondes. Et ça c'est un record. Je tenais à Fluncher. Toute ma famille. Sans qui je n'aurais jamais pu fluncher aussi loin. Je vous flunch. Flunch à moi. En fait, fluncher, c'est comme schtroumpfer. Et bien entendu, l'utilisation d'une publicité chantée n'a rien d'anecdotique. On mémorise bien mieux en musique. La preuve. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Dans ses bras, il me parle tout bas. Enfin, habituellement. Mais je suis sûr que la suite du refrain vous est venue automatiquement en tête. Enfin, sauf peut-être pour les plus jeunes. On va vous passer quelque chose que vous connaissez mieux. Yeah! Hello! Je déconne. Dans un clip.
et encore plus dans une pub, il est très important que les images correspondent aux paroles, pour renforcer la mémorisation. Donc Flunch illustre au plus près ce qui est chanté. Fluncher des fraises, des frites et du flan. Alors que s'ils avaient fait ça, fluncher des fraises, des frites et du flan, notre cerveau serait en train de faire des loopings. Mais Flunch ne s'est pas arrêté là. Vous avez bien mémorisé les paroles ? Eh bien, chantez-les maintenant ! Du 9 mars au 19 avril 2015, vous pouviez vous rendre sur le site Pop Flunch pour vous filmer en train de chanter sur l'air de la publicité afin de tenter de gagner de magnifiques cadeaux. Désolé, le concours est terminé. Parmi les cadeaux, nous avions un an de Flunch. Ouais, soit 500 balles à dépenser chez eux. 5 bons digitiques d'une valeur de 100 euros chacun. Ah, ça c'est cool. Et un séjour en Floride. On est sûr que c'est terminé le jeu concours ? Et vous savez comment ont été sélectionnés les gagnants ? Sur leur prestation vocale ? Sur leur prestation scénique ? Non, 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 non. Sur l'originalité de leur vidéo ? Non. Il fallait faire partie des vidéos les plus likées. Et pour la Floride, il fallait en plus être tiré au sort. Oui, mais les gens ont voté pour les vidéos les plus qualitatives. Non. Y'a que chez Flunch qu'on peut flancher, flancher à fond et flancher fièrement. Y'a que chez Flunch qu'on peut flancher, flancher à fond et flancher fièrement. Et celle-ci, c'est une des plus populaires. Perso, j'ai fait des cauchemars après. Donc l'idée, c'était de chanter les paroles d'une publicité, puis de poster ta vidéo sur internet et de la faire tourner au plus de gens possible afin qu'ils la likent, en espérant être tiré au sort pour partir une semaine en Floride. Flunch a donc utilisé l'appât du gain pour que les gens diffusent la chanson le plus largement possible. Alors pour Régine, qui est partie en voyage, c'est génial. Mais Jean-Mi, lui, il se tape la tête contre les murs depuis qu'il a entendu cette foutue chanson. Et pour contrer ces musiques qui nous reviennent sans cesse en tête, il suffit de pas les écouter. Non, il faut changer les paroles. Et c'est parti pour la chanson du publicitaire. Musique. Créer des spots hypnotisants, vendre du rêve, des meufs du clinquant, faire de l'argent sans fioriture, pour enrichir notre structure. Cibler les mondes, cibler famille, penser joujou, penser aux filles, être dans leur tête, faire consommer, je vous garantis, nous rembourser. Y'a que nos pubs pour t'enculer, penser que t'es con, prendre ton argent. Y'a que nos pubs pour t'enculer, penser que t'es con, prendre ton argent. Y'a que nos pubs pour t'enculer. Allez, prenez le temps d'y garder l'esprit critique, et à la prochaine. Hop, hop, hop! Il faut passer un petit test d'abord.